Le plus beau moment de l'année, c'est quand on part à la montagne. Partir avec le troupeau en montagne. Faut aimer. Après, on est tous les jours dehors. La vie, eh ben, elle est pas si simple que ça, quand il fait froid. Mais c'est la solitude, se retrouver avec le troupeau en montagne, dans la nature. Une liberté qu'on n'aurait pas enfermée entre quatre murs. Ces brebis sont très belles. Elles sont toutes différentes, mais toutes belles. C'est les brebis basco-béarnaises qu'on a ramenées des Pyrénées, là-bas où j'ai fait mes stages. 3 années de stage, 3 super années. À traire ces brebis, à apprendre tout ce beau métier. Après, je les ai ramenées jusqu'ici, dans les Alpes. Avec mon père, on a fait une importation pour commencer. Après, on en a refait une deuxième, une troisième. On a monté un joli troupeau de 800 têtes et là, on arrive au complet. C'est vrai que c'était un petit peu un pari d'importer ces brebis, de les déplacer de la chaîne des Pyrénées sur la chaîne des Alpes. Et c'est le tout premier troupeau qu'il y a sur le territoire suisse. Entre père-fils, c'est un joli projet, une jolie exploitation, un joli troupeau et c'est joli de le faire à deux. C'est quand même quelque chose de fantastique de pouvoir avoir un fils qui continue l'exploitation, puis qui prend la relève, puis qui gère le troupeau durant 5 mois l'été en alpage. La vie de berger, je l'ai découvert déjà chez moi depuis tout petit. Ce métier, j'y suis né au milieu des brebis. Avec mon père, tous les jours, aller aux brebis. Mais c'était pas les mêmes brebis, c'était un troupeau de brebis viande. Après, la passion, elle s'est renforcée dans les Pyrénées, dans le Béarn. Hop. Faut y aller. On nous filme à manger la fondue. Ben bonne app, les gars. Bonne app. Elle est presque trop bonne. Thank you.
Avec Émile, on est en association sur l'exploitation. Lui est plutôt sur l'alpage. Et puis moi, je suis sur l'exploitation agricole à Bruzon, où je fais les récoltes pour passer l'hiver. Et puis, je travaille aussi sur les plantes médicinales et aromatiques. La laine des Basco-Béarnais, tu vois. Le nez un peu busqué. Il a une semaine. Le Béarn, j'y retourne deux fois par année, une fois le printemps et une fois l'automne, un petit peu à la saison morte, quand les brebis sont taries. Quand je prends des vacances, mon pèlerinage dans les Pyrénées, c'est chez les bergers du Béarn. Des bergers qui ont un savoir-faire extraordinaire, un plaisir de partager leur histoire, ça m'a vraiment beaucoup plu dès le départ. Et comment ça a été alors cette saison? Ça t'a... Mais cet été, ça n'a pas été terrible. Ça a été un peu trop humide. Et le lait, ça s'est reconnu sur le lait. Alors on a eu exactement le même temps aussi. Oh. Ça a été un peu la misère, oui. Salut Pierre, ça va? Alors le périmètre de ton alpage, de ton style, parce qu'ici on n'est pas dans les Alpes. C'est pratiquement tout ce que je vois m'appartient là, ici. Ça se définit par les arêtes. Voilà. Tu as tous les sommets ici, là, qui... Sur tout le pourtour, sur tout le voilà. Tour du cirque, là. Voilà. Et après, là, en haut, sur le sommet, là-bas, en haut, c'est l'Espagne. D'accord. Voilà. Derrière, là, ce pic, c'est voilà. Derrière l'Espagne. Le sommet le plus haut, là-bas, c'est l'Espagne. Ah, d'accord. Magnifique. Il y a des personnages qui peuvent pas se passer des montagnes. Ah, ouais. Surtout les bergers. Ouais. Tu n'as pas de bergers qui restent en bas la saison d'été, ici. Pratiquement tout le monde transhume. Oui. Avec Albert, j'ai gardé beaucoup, beaucoup de liens. C'est avec lui que tout a commencé. Hein. C'est là où Émile a fait son premier stage à 16 ans. Émile s'est très bien adapté dans les Pyrénées. Et il a pris goût au troupeau laitier. Et il a monté un cheptel avec mes brebis et moi. Voilà, avec la race Basco-Béarnaise. Il faut aimer la brebis. Du moment où on aime son outil de travail, ça, la brebis comme ça, après, ça doit... C'est l'instinct, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Mais lui, c'est vrai, c'est vraiment, il est accroché par la brebis. D'autres sont accrochés sur les vaches, mais lui, il est accroché sur la brebis. Il est vraiment mordu. La brebis béarnaise, elle a une âme. Oui. Hein? Oui, oui, oui. Elle a une âme, oui. Oui, oui, tout à fait. Ceci est un... Elle tu la respectes, oui. Elle a de la cervelle entre les cornes. Oui, oui, non, mais tu la respectes. Tu sais... C'est ça. Oui. Quand je les ai vus dans le terroir, ici, dans des alpages, autant escarpés que chez nous, je me suis dit que c'est une race qui se serait bien adaptée en Valais, dans les Alpes, tu vois. Oui, 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 tout à fait. C'est une réussite, oui, c'est clair.
l'herbe elle est plus courte ici qu'en Suisse. Hein. Ça dépend où tu vas. Si tu vas bien en altitude, elle n'est pas meilleure, elle n'est pas plus... Elle est courte, hein. Ici, t'as quelle altitude? Ici, 1500. À 1500, chez toi, j'ai l'impression d'être à 2000 chez moi. Elles vont sur la même estive que les brebis? Non. C'est l'ancienne estive des brebis. Maintenant, elles sont en bourse, les brebis, chez le beau-frère. Elles sont sur l'autre versant de chez Albert, alors? Oui. Pour les ramener, on passe par-dessus chez Albert. D'accord. Pierre Superbat, lui, il a développé un fromage avec un mélange de lait de vache et de lait de brebis. Alors, il se différencie un petit peu des autres bergers, mais il vit quand même un peu au même rythme des Béarnais parce qu'il habite en zone de montagne. C'est là où Émile a affiné sa formation dans la fabrication du fromage. Alors, il y a des liens d'amitié fantastiques qui subsistent, oui. Et pousse. Là, tous les ans, ils viennent. Il s'est créé des liens, quand même, entre familles, voilà, et ils sont... nous, si on va là-bas, on est comme de la famille, et eux, s'ils viennent, ils sont accueillis, Émile, s'il vient, ils sont accueillis comme de la famille. Hein. Ils mangent que du bon, ceux-là. Du lait, 4 céréales, et voilà. C'est la période creuse, là. On a très, très, très peu de lait, et donc c'est les cochons qui profitent du lait, en ce moment. Et ils ont l'abreuvoir, là, un peu petit, et... Ça fait des bons cochons, ça. Et oui. Allez, on va prendre... Un qui est bien affiné. Un bien affiné. Celui-là, celui-ci, il est pas mal, je pense. Allez, celui-là. Super. Et on va amener celui-là aussi. Voilà. Super. Ils ont quel âge, alors, ces fromages? Ils ont 6 mois. Ils ont déjà une histoire, alors. Voilà, tout à Super. Fait. Super. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de similitudes dans les zones de montagne, hein, entre la Suisse et les Pyrénées. Ils font avec de la brebis ce que nos anciens faisaient avec du bovin, voilà. Et j'aurais jamais pensé qu'à 1000 km, je retrouve le même système de travail. On partage la même passion, le même rythme de vie, puis ça... quelque chose de vraiment magnifique. Salut Jean-Louis. Ça va? Ah, ça va et toi? Alors, t'es arrivé quand même? Oui, ça me fait plaisir de te voir. Tu n'as pas à transpirer du tout? Bah, tu sais, faut transpirer pour arriver au sommet des montagnes. Hein. Ici, tu ne peux pas être plus haut. C'est quand même magnifique. Ça va. Ouais.
Bon, comment elles vont ces brebis, Bernard? Ah, ben, tu sais qu'elles s'adaptent en Suisse aussi bien que chez toi, parce que je vois... Ça m'inquiéterait presque, ça. Je vois que le périmètre qui nous entoure est tout aussi escarpé que chez moi, alors... non, l'adaptation, c'est, une, c'est parfait, il n'y a aucun souci. Ouais. Elles ont peut-être perdu l'accent béarnais, tu vois. Ouais, mais d'accord, mais elles vont le reprendre, oui, parce que ça se perd pas. Oui. Comme elle a cassé bien en bas, t'arrives à la retaper. Bon, si c'est une attelle bien faite, ça vaut un plâtre. Moi, une fois, j'ai pas pris un âne. Tout le monde me disait, ton âne, il est fichu. Moi, cet âne, je l'aimais plus que tout. C'était un âne extraordinaire de vaillance, de travail, qui m'avait beaucoup fait. Il avait la cuisse cassée. Je l'ai plâtré. Bon, tant pis, on va faire comme ça, c'est peut-être un peu long, mais tant pis. Bon, ça va aller. On est sauvé. Il y en a bien. Bon, mais c'est pas trop mal, ça. Hein. Ouais, c'est pas mal. Je suis très content déjà d'avoir assuré, tu vois. Ouais. Déjà, là, si c'était fêlé, ça va pas continuer. Ouais. Elle va se ressouder plus vite et elle va souffrir moins. Hein. Jean-Louis Labourde-Boys, c'est un homme extraordinaire. Je dirais que c'est un petit peu le mainteneur des traditions pastorales du Béarn. Il m'a transmis beaucoup de connaissances, il m'a transmis son savoir vraiment avec une passion qui vient du cœur. On a beaucoup de choses à partager et puis surtout lui avec son fils, ils ont tenté une expérience nouvelle. Du coup, on a beaucoup de choses à se dire et à apprendre l'un de l'autre. On se connaît pas depuis très longtemps, mais il y a une communion. On n'a pas besoin de chercher les mots pour se parler. Et je suis très heureux de ça parce que ça prouve que les distances n'ont pas d'importance. C'est les hommes. Le métier, chacun chez soi le vit à sa manière, mais être passionné par le métier du berger, pour nous, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire amour des animaux et amour de la nature, amour des choses vraies, et parfois dans la difficulté. Mais la passion passe dessus. Sei passi conosces la charmante Marie, a chi uta sta plavis, ca u posa me vergogno. Tu me no partiras, scendu me de debi. Dimmi andavano la capanna di Piero, ci stavano di trauca e ponte barale, chi avevo se incurrao, chi devo stare in guerra, e se li andavano, chi avrà caffè di Je suis prêt à tout laisser. Mes enfants, ma famille, ça m'est arrivé de leur dire, mais si vous voulez pas venir, ben tant pis. C'est grave ça. Hein.
Parce que je crois que c'est l'appel de la nature, de la vie de berger qui fait que, voilà, à ce moment-là, on a envie de partir, de mettre les sonnailles au cou des brebis, puis de partir et de se retrouver dans cet endroit qu'on sait magique un peu, quoi. Mais c'est pas facile à expliquer, ça. Je me l'explique même pas encore, quoi. Depuis que je suis toute petite, je suis avec papa et maman, et mon frère et ma sœur, pour traire et faire le fromage. Moi, je me vois pas être enfermée dans un bureau ou comme ça, si je suis avec ce que j'aime. Alors, je suis bien. Bon, pas m'empêcher de faire ça, je pense. Maintenant que je suis partie là-dedans, je vais rester. Les rats me l'ont mangé, mais il en reste assez, comme je suis pauvre. Pour la trouver tout à l'heure, tu comprends? Non, il ne faut pas gaspiller. C'est une vie qui est très difficile. Il passe environ 7 à 8 heures par jour à la traite en début d'estive. Ensuite, il fabrique son fromage encore en estive. Ce qui m'étonne encore dans le Béarn, c'est vraiment l'endurance de ces bergers, leur rythme de travail. Ils ont un rythme de travail qui est infernal, incroyable. Vous savez, moi, je trouve des pierres en montagne où les bergers ont écrit leur nom depuis 1700. Et rien que pour ces gens-là, on n'a pas le droit d'abandonner. Donc j'espère que nos enfants, même si personnellement, je n'aime pas trop écrire sur les pierres, feront encore ce métier. Ah, malicieux, Ils diront peut-être que un jour là-haut, il y avait... Un gars, il était un peu fou, il travaillait beaucoup là-haut, mais il aimait ça, et puis il a entretenu la montagne, il a... Voilà, simplement. Quand je repars du Béarn, j'ai du plaisir de revenir chez moi dans les Alpes. Cet enthousiasme qu'ils ont me requinque. On a des échanges qui me revitalisent même. C'est un lien très fort, oui.